cinéma. Mardi dernier, les Spice Girls étaient venus spécialement à Paris pour présenter l'avant-première de leur long métrage, Spice Girl, le film. La veille, à Londres, le même événement avait rassemblé plus de 7000 fans venus faire un triomphe à leurs 5 reines de la pop. Le prince Charles d'Angleterre et ses deux descendants avaient même fait le déplacement. À Paris, Fan 2 les a d'abord rencontrés lors d'une conférence de presse où le calme et la discrétion régnaient, chose auxquelles les filles ne sont pas habituées. Ce qui n'a pas manqué de faire effet de contraste sur le comportement de ces idoles abonnées aux émeutes bruyantes. Vous allez bien? Oui. Pas de problème de famille quelconque? Besoin d'une thérapie? Je me demande. Mais sous leurs airs de s'amuser non-stop et de se rire de tout, les Spice Girls ont tout de même le mérite de très bien connaître leurs fans, et tout particulièrement les petits français. French fans are really kind. Les fans français sont vraiment ouverts, extravertis, un peu comme moi. Ils sont bruyants et j'adore ça, c'est génial. Ils ont l'air d'avoir envie de s'exprimer à fond. Willing to express themselves immediately. Les Spice Girls! Like in some... Dans la majorité des autres pays, ils sont calmes, timides. En France, ils sont fous. Direction la projection privée qui sera présentée ce soir par quelqu'un que l'on connaît plutôt bien. Non, ce n'est pas Mel C, mais bien Séverine Ferrer qui va ce soir largement être à la hauteur. Je suis un peu anxieuse parce que c'est moi qui présente le film des Spice Girls ce soir. Et je crois que ça va être assez folklorique du fait qu'elles sont toujours imprévisibles. Alors je vous garantis de rien. Tout ce que je souhaite, c'est que je m'étale pas ce soir en rentrant sur scène. Mais à part ça, j'ai un peu les chocottes. Girl power de rigueur pour ce lancement rapide mais réussi qui a malheureusement laissé trop de monde sur le trottoir du cinéma des Champs-Élysées. Ce soir-là, les fans retenus à l'extérieur semblaient en savoir beaucoup sur leurs idoles. Et Thierry a passé les fêtes du prince Charles, en fait ils font des fous. Et ils disent qu'ils font 5 vaches folles. En fait, moi je trouve pas que c'est toujours des vaches folles. Ouais,